Bonjour tout le monde, donc là je fais ma vidéo de présentation de l'album. Donc j'y ai mis tout, j'ai tout collé au pistolet à colle ici, les petites, comme vous pouvez le voir, les étoiles de mer, coquillages, tout, j'ai tout collé au pistolet à colle. Le petit fard, c'est tout simplement un dies que j'ai imprimé, que j'ai colorisé, voilà. Je suis venue coller mes petits mots, donc moment souvenir inoubliable. Voilà. Ma tranche, l'effet basique. Hein. J'ai mis deux nœuds. Et puis, des petites sur le thème marin. Voilà. Derrière, j'ai laissé ça tel que. Voilà. J'ai encore des filets de colle. Donc, je l'ouvre. Hop. J'ouvre ma petite. Mon petit ruban. Voilà. Nous arrivons sur ceci. Donc, voilà. C'est tout simplement pour y glisser des photos derrière. Voilà. Nous avons un arrêt. Nous avons notre feuille plastique, juste là. Voilà. Ici, on peut venir mettre une photo. Ici aussi. Donc, nous l'ouvrons comme ceci. Et nous pouvons y mettre des photos. Oui, je suis pas dans le bon sens, je suis en train de réaliser. Je vais vous le mettre dans l'autre sens. Comme ça, vous verrez très bien. Donc voilà. Donc ici, donc ça, c'est le rabat. Et nous avons notre double page. Voilà. Ici, nous avons une carte. Donc de l'autre côté, oui, c'est vrai que je suis au sens inverse de vous. Pour y mettre des photos, là aussi, tout simplement. Donc ici, c'est pas utile de venir mettre une photo. Pour moi, vaut mieux la mettre derrière. Voilà, tout simplement. Donc j'ai fait une pochette ici, voilà. Une autre pochette de ce côté-là. Ici, nous avons un passant. Voilà. Avec ici, oui, c'est une carte qui a collé. C'est pas grave, ça arrive des fois avec la colle. Voilà. Hop. Ici, nous pouvons mettre une photo. Ici aussi. Là, on va faire comme ceci. Voilà. Et nous ouvrons sur ce côté-là. Donc, une pochette. Donc, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Je veux dire, j'ai pas mis de fioritures, j'ai rien mis du tout. Donc, voilà. Ici, on peut venir faire une photo. Ici, j'ai fait un stop. Ou un arrêt, comme vous voulez. Et ici, je suis venue mettre une pochette jusque là. Et une autre pochette. Nous arrivons à la fin de notre album. Donc, c'est pour y mettre environ une soixantaine de... Je vais être gentille, je vais dire une quarantaine. Parce que j'en ai fait pour une quarantaine. Mais plus on rajoute des cartes ou des feuillets, et plus vous pourrez mettre de photos dedans. Voilà, tout simplement. Hop. Donc voilà, mon album est terminé. J'en suis super contente. Franchement, il est super mignon. Je me suis bien amusée. En plus, je l'ai fait avec vous entièrement. Donc, d'ailleurs, je vais pas tarder à faire un mini-album. 100% création. Véro Création, voilà. Parce que ceci, je me suis inspirée de du petit monde de Chachou, je tiens à le dire, parce que je me suis fait entre guillemets remonter les bretelles, mais c'est pas bien grave, hein, sur le fait que j'ai oublié de le préciser. Donc effectivement, sur cette vidéo-là, je ne l'avais pas précisé, mais sur les autres vidéos, je les ai toutes précisées, et même la vidéo d'avant. Mais sur celle-ci, je l'avais oublié. Donc bon. Donc voilà, c'est une inspiration. Par contre, ce n'est pas exactement le même parce que les dimensions, j'ai tout retravaillé. Les dimensions, c'est pas du tout les mêmes. Donc voilà.
Par contre, je m'en suis inspirée, ça c'est sûr, parce que je trouvais sympa d'avoir une pochette devant. Moi, j'ai ajouté un plastique parce que je trouvais ça plus joli, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre le plastique non plus, hein. Donc voilà. Donc là, ça va être un mini-album 100%, donc Véro Création. Je vais bosser dessus et en fait, je ferai un tirage au sort et je le mettrai à gagner. Je vous en parlerai dans une de mes prochaines vidéos. C'est pour vous remercier déjà parce que j'ai atteint les 1000 abonnés. Donc on va faire ça ensemble et il sera à gagner sur une période d'à peu près un mois. Donc je vais voir ça quand est-ce que je mets ça en route. Et puis je ferai le mini-album avec vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.